L'invitation des professeurs de l'école maternelle, ce qu'on fait, on effectue une visite, entre autres, sur la thématique des pompiers. Cette semaine, je sais que les professeurs travaillent sur cette thématique, puis ont trouvé intéressant de nous inviter. Puis nous autres, ça nous fait toujours plaisir de participer à des activités de même. Ça fait connaître et promouvoir le métier de pompier. En plus, ça démystifie certaines craintes, entre autres, que les jeunes ont par rapport à la vision du feu, la vision des pompiers. Surtout l'ébahissement de voir un pompier en appareil respiratoire, c'est toujours impressionnant. C'est pour ça que, en lui montrant comment un pompier est habillé, avec la tenue intégrale, c'est moins épeurant pour eux. Ça les sécurise. Puis c'est ça le but, entre autres, c'est toujours de démystifier parce que lorsqu'on est en combat incendie, puis qu'on aurait à aller chercher les gens, la manière qu'on est habillé peut être des fois assez épeurant. Est-ce que les jeunes vous posent des questions? Beaucoup, beaucoup. Entre autres, les plus fréquentes. Quelle est la hauteur de l'échelle? Est-ce que les pompiers vont chercher des chats dans les arbres? Ça, c'est les deux questions les plus populaires. C'est quoi les réponses? On lui dit oui, puis même on lui fait part d'un très grand secret que je peux pas révéler, mais on lui dit que les pompiers aident le Père Noël, la Noël pour monter dans les cheminées. Ça, c'est un secret qu'il faut garder entre vous et entre moi et les jeunes, parce qu'il ne faut pas que personne d'autre le sache.